Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube. Et bien salut tout le monde, c'est HypeGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature de la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de 5 applications qui vont vous permettre d'enregistrer votre écran de téléphone Android. Donc soit pour les jeux, soit pour vous faire des tutoriels sur votre téléphone. Alors les amis, la première application que je vous propose, c'est l'application Rec. Donc c'est une très bonne application pour ceux qui ont un téléphone assez puissant, donc l'un des derniers smartphones par exemple. Donc on peut enregistrer en HD et en Full HD. Donc là, comme vous le voyez sur la petite vidéo que je vous ai mise juste à côté, que j'ai faite auparavant, on peut modifier la résolution, on peut modifier le bitrate, le temps de vidéo. Donc là, on va mettre une heure car c'est la pro. Si jamais vous avez la version gratuite qui est sur le Play Store, vous avez que 5 minutes d'enregistrement. Mais je vous conseille vraiment d'acheter la pro qui est sur le Play Store. Je ne sais plus à quel prix, je vous mets le prix juste sur la vidéo. Mais bon voilà, c'est une bonne version pour ceux qui ont vraiment un gros téléphone qui peut faire tourner cette application sur les jeux et en même temps jouer. Vous pouvez modifier vraiment tous les réglages, mettre les touches si jamais qu'on voit vos doigts pour faire un tutoriel, etc. Donc c'est vraiment une très très bonne application. Malheureusement la pro est payante, mais il y a toujours moyen de l'avoir gratuitement sur Android avec plusieurs façons en téléchargeant des APK. Donc voilà, vous pouvez aussi faire pas mal de presets comme je fais sur la vidéo que vous voyez. Vous pouvez mettre par exemple en HD, en Full HD, vous avez différents menus pour après changer les presets. L'application que je vous présente maintenant, elle s'appelle AZ Screen Recorder Free. Donc il y a la version gratuite et il y a la version payante. La version gratuite suffit amplement, elle fait vraiment bien le boulot, on peut enregistrer comme on veut. La version payante, c'est juste, vous allez rajouter des options en plus qui ne servent vraiment à rien, comme un encodeur de vidéo qui va compresser un peu plus les vidéos, etc. Donc c'est, on rentre dans le technique, mais la version pro de cette application n'en vaut pas la peine, c'est pas besoin d'aller payer pour cette application. Franchement, elle est vraiment bien, on retrouve encore également les mêmes réglages que la version que l'application Rec que je vous ai présenté juste auparavant. C'est vraiment une bonne application. Par contre, parfois il y aura des grains sur la vidéo. Quand vous êtes sur Minecraft, etc., ou des jeux, ça va être un peu différent. Donc je vous conseille plutôt cette application pour faire des tutoriels sur votre téléphone, tout simplement parce que sinon vous allez avoir des espèces de flou un peu sur vos vidéos sur des jeux. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette application pour des tutoriels, et elle est vraiment magnifique cette application. On a vraiment un mode timelapse, etc. Donc je vous laisse voir tout ça. Donc elle est gratuite sur le Play Store. Ensuite les amis, l'application que je vous propose maintenant, c'est une application qu'on ne présente plus, c'est MobiZen. Donc il y a plusieurs versions, il y a MobiZen pour tous les appareils, et il y a aussi exclusivement l'application MobiZen que pour votre Samsung, tout simplement. Donc c'est celle que j'ai. En tout cas, ça reprend le même mode, donc on peut mettre en HD, la qualité, les FPS, etc. Vous avez l'onglet photo, l'onglet vos vidéos. Il y a un mode clean qui est intégré, donc ça c'est super. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une bulle à côté où on voit un logo, etc. de l'application. Non, pas du tout. Là, ça peut être corrigé, etc. Donc toutes les applications que je vous présente, il n'y aura pas de logo quand vous enregistrez. Donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, pour cette application, et rien de plus à ajouter. Encore une fois, on peut enregistrer le son, etc. Donc voilà, elle est gratuite sur le Play Store, bien évidemment. C'est une des applications qui fait son point fort, car on peut l'utiliser sur tous les téléphones, même les plus lents. Ensuite, les amis, nous avons l'application du Recorder, ou DU Recorder. Donc c'est une application qui va vous permettre d'enregistrer votre écran pour les jeux, etc., pour les tutoriels, sur des téléphones également lents, très lents. Donc c'est... Vous avez déjà plusieurs applications qui s'appellent DU Booster, DU Batterie, etc. Donc c'est vraiment une très bonne application. Donc voilà, je vous la conseille, il y a encore les mêmes fonctionnalités, donc mettre en HD, enregistrer le son, afficher les touches. Vous pouvez aussi désactiver le logo comme vous le voyez là, vous pouvez le désactiver ou le mettre en dessous. Donc voilà, donc c'est une très très bonne application, donc je vous la conseille. Et bien évidemment, elle est gratuite sur le Play Store, donc voilà. Et voilà les amis, la dernière application que je vous propose est celle que j'ai préférée pour enregistrer sur Minecraft et sur les jeux. Elle s'appelle Game Screen Recorder, elle est gratuite sur le Play Store, elle fonctionne pour tous les appareils avec Android 5+, ou Android 5.0, voilà, j'ai oublié mes mots. Et franchement, elle est vraiment super, avec toutes les applications que j'ai enregistrées et que je vous ai présentées jusqu'à présent,
elle donnait un rendu vraiment médiocre au jeu quand on enregistrait, ou à certains jeux comme Minecraft. Celle-ci, on a vraiment une belle couleur sur Minecraft. C'est vraiment en HD, on voit vraiment bien. Donc encore une fois, on retrouve les mêmes fonctionnalités. Elle est encore une fois gratuite sur Play Store. On peut également aussi désactiver le logo, etc. Donc c'est vraiment super cette application. Donc je vous la conseille. C'est vraiment pas un top que je fais, mais c'est un regroupement de 5 applications et c'est celle-là que je préfère. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu. J'ai passé pas mal de temps à faire le montage, donc vraiment n'hésitez pas à lâcher vos gros pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux. Si jamais cette vidéo vous a aidé, si jamais vous en avez appris plus sur les applications pour enregistrer votre téléphone, etc. Partagez à tous vos amis, montrez à vos amis, etc. Lâchez vos plus gros pouces bleus. Et moi du coup je vous dis à la prochaine, c'était iPadGamer172, allez bye tout le monde.